Good morning, allez, Iden, tu seras aujourd'hui le Nishmat avant Mordechai ben Yitzhak Vefani, David ben Fortuna Mazal Fritna, Richard Aaron ben Fortuna Mazal Fritna, Dvorah Bat Esther. Si vous souhaitez vous dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions de Maserhet Ktuvot, Perek Yud, Mishnah Dalet, Mishéaya, Nasui, Shalosh, Nashim, Vamet. Ktuvata Shalzo Mane, Veshalzo Mataim, Veshalzo Shlosh Meot, Ven Sham Ela Mane, Cholkin, Beshave. Ayou. Sham, Mataim, Shel, Mane, Notelet, Hamishim, Shel, Mataim, Shel, Shloshmeot, Shlosha, Shlosha, Shel, Zahav. Ayu, Sham, Shloshmeot, Shel, Mane, Notelet, Hamishim, Shel, Mataim, Mane, Shel, Shloshmeot, Shisha, Shel, Zahav. Vechan, Shlosha, Shetilu, Lakis, Pachatu, O, Tiru, Kach, En, Cholkin. On a une Mishnah relativement compliquée à comprendre. Bezrat Hashem, on va s'en sortir. Et on commence d'abord à poser le cas. On parle d'un homme qui avait 3 femmes. Et à une, il s'est engagé à lui donner 100, à l'autre 200 et à l'autre 300. On parle, quand on parle de 300, on parle de 300 zouz. C'était des pièces d'argent. Juste histoire de vous familiariser, parce qu'on va passer facilement de l'argent à l'or, parce que c'était une manière de calcul à l'époque. Un dinar zahav coûte 25 dinars kesef. D'accord? Ouais. Un dinar zahav, ça fait 25 dinars kesef, si ça vous intéresse. En général, tout ça, il rapporte que l'or, il est 12 fois plus cher que l'argent, mais le dinar zahav, il était 2 fois plus gros que le dinar kesef, donc ça fait 25 fois plus ou moins. D'accord? Pour notre sujet, on a maintenant un homme qui doit maintenant 3 ktuvot. Le jour où il divorce, à une, il doit lui donner 100, à l'autre 200, à l'autre 300. Il a divorcé personne, il a quitté le monde. Donc maintenant, il doit au total débourser 600. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'argent. Il n'y a qu'un seul mané. Qu'est-ce qu'on fait? Un mané, où je le dis. Un mané, ça fait 100 zouz, et 100 zouz, c'est 4 dinars zahav, d'accord? Un mané, donc... Bon, j'essaie de garder le même vocabulaire pour chacun des cas, j'espère que je ne vais pas m'embrouiller. Donc, il y a maintenant, il a laissé, le problème c'est qu'il y a un mané, il a laissé juste 100 zouz. Qu'est-ce qu'il fait, à votre avis, qu'est-ce qu'on fait? À une, je lui dois 100, à l'autre, je lui dois 200, à l'autre, je lui dois 300. Alors tout d'abord, juste, précision qui est rapportée dans le Bartanois, c'est qu'en théorie, celle qui a eu la première ktouba, celle qui doit tout prendre, et celle qui a eu, d'accord, on va selon l'ordre de priorité. Maintenant imaginez que j'ai marié les trois le même jour, si c'est possible. Ou encore, il y a encore une autre éventualité, c'est qu'il n'y a pas des biens immobiliers, juste des biens mobiliers. Dans les biens mobiliers, il n'y a plus d'ordre de priorité selon celui qui était là le premier. Donc maintenant, j'ai un seul mané pour payer. Ce que je dois à l'une 100, à l'autre 200, à l'autre 300, qu'est-ce qu'on fait? La Mishnah vient de m'enseigner, eh bien, Cholkot Beshavé. Je fais dans les mots. Mishaya Nasui Shalosh Nashim Vamet. Celui qui était marié à 3 femmes et il est mort. Ktubata Shelzo Mané. La Ktuba de l'une, c'est 1 Mané, c'est-à-dire 112. Veshelzo Mataim, et celle-là, c'est 200. Et celle-là, c'est Veshelzo Shlosh Meot. Vencham El Mané, il y a un seul Mané, c'est-à-dire 112. Cholkot Beshavé, elle se le partage équitablement entre les 3. Un tiers chacun. On a ici 3. Force, qui doivent prendre le même mané, il n'y a pas pour payer tout le monde, chacun y prend une part. Elles sont 3, ça fait une part sur 3, donc un tiers. Ok, pour le moment c'est clair. J'introduis à l'oral le cas, le prochain cas. Imaginez maintenant qu'il y a 200 zouz. Qu'est-ce qu'on fait? En théorie, vous allez me dire, c'est facile, ils vont faire un tiers, donc 66, 66, 66. Alors, si vous répondez comme ça, sachez que vous n'avez pas forcément tort, mais vous n'allez pas selon la Mishnah. Il y a effectivement quelqu'un dans la Gemara qui va penser comme ça, mais la Mishnah, elle a une autre optique. L'avis de la Mishnah, c'est Rabbi Nathan, et celui qui pense comme ce que vous avez pensé, c'est Rabbi. Et chacun, il a une logique. Rabbi, il a une grande logique, et c'est ce que vous avez vous aussi réfléchi directement, j'imagine. C'est-à-dire, je ne comprends pas, moi, j'ai un droit de récupérer jusqu'à un mané. Tant que j'ai pas eu le mané, je réclame. Rabbi Nathan, lui, il regarde la scène différemment. Il dit 2 minutes. Moi, qui me dois juste 100, donc j'ai un droit de prendre les 100. Les deux autres, ils ont le droit de prendre le 100 supplémentaire. Chacun, ouais, on regarde en fait. Initialement, chacun son droit de saisir, il est sur combien? Il est juste sur 100, pas sur... Donc, celle qui aspire à 100, elle a un droit de saisir sur le 100. Celle qui aspire au 200, elle a un droit de saisir sur le 100 et sur le 200. Et celle, et l'autre aussi, de 300 aussi, c'est la même chose, elle a juste un droit de saisie sur le 100 et 200.
Donc en fait, si en fait on fonctionnait de la sorte, alors ça ferait que sur le premier mané, on est 3 à se le disputer, ça fait 33 chacun. Et sur le deuxième mané, on est 2 à se disputer, ça fait 50-50. Donc en fait, ça fait qu'on se partage le premier en 3, ça fait 33-33-33. Plus sur le deuxième sang, quoi. Enfin le... Alors ça fait 50-50. Donc ça fait 88-88-33. Comme ça, c'est la vie en théorie de Rabbi Nathan. Concrètement, il va l'exprimer différemment dans la Mishnah parce qu'il y a un autre facteur qui est un peu complexe. Mais que d'abord, je veux d'abord vous assimiler l'idée, d'accord? C'est là le point essentiel. Rabbi Nathan est entièrement d'accord avec ce qu'on dit, même si dans le Mishnah, il est écrit autrement. D'accord? Je reprends. Celle qui a un, on regarde en fait, ne regarde pas ce que tu as encaissé. Regarde ton droit de réclamation. Et en fait, quand on a les 212 qui sont posés devant nous, alors il y a combien de personnes qui se le disputent, le 112? Combien prétendent avoir un droit de 112? Ah, toi, vous êtes 3, donc ça fait 33 chacune. Et combien prétendent avoir un droit sur le 112? Alors ça fait, vous êtes que 2, ça fait 50-50. Ah, vous allez me dire, ouais, mais l'autre, quand elle réclame le premier 112, elle dit, mais moi, si j'ai pas tout reçu, je réclame dans le deuxième. Vous avez raison, c'est ce qu'il pense Rabbi. Mais selon Rabbi Nathan, lui, il faut partir à l'envers. On fonctionne pas selon concrètement, une fois que tu as reçu une première fois, enfin, on va faire une deuxième distribution. Non, on vient une seule fois, on dit, 2 minutes là. Il y a un premier 112 qui réclame. Ah, toi, tu réclames? Ah, très bien, toi, tu réclames. Et comme ça, on fait comme ça, et vous êtes 3, vous le disputez. Et là, le deuxième 112, vous êtes combien? Toi, on lui dit, toi qui réclame que les 100, tu as un droit sur le deuxième. Si tu recevais tout, tu n'aurais pas de droit dessus. Donc en fait, on vient hein, et on dit, ben écoute, sur le premier, vous êtes 3, vous disputez, sur le deuxième, vous êtes 2. Et idem, s'il y avait 312, comment ça se passera selon ce principe, selon Rabbi Nathan? Eh bien, on fera que, écoute, le premier 112, vous êtes combien? Vous disputez 3, on tire chacun. Le deuxième 112, vous êtes combien? 2, 50-50. Le troisième, il n'y a que la troisième qui a un droit sur le 312. Donc en fait, on va faire 188, 88 et 33. D'accord? Là maintenant. Ça, c'est vrai, selon Rabbi Nathan. Et Rabbi, comme on a dit, tant que moi, je n'ai pas reçu gain de cause, je réclame même sur le deuxième, et je réclame sur le troisième, et je réclame tant que moi, je dois recevoir 100. Donc, en fait, tu fais comme tu veux. Mais moi, j'ai un droit, en fait, de saisie sur les 312, que j'ai un droit de saisie pour jusqu'à mes 112. C'est l'avis de Rabbi, et comme ça, la halakha est retenue. D'accord? Maintenant, la Mishnah, elle va parler d'un cas un peu plus complexe. D'accord? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord lire la Mishnah et la traduire, au moins le premier cas, et après on expliquera pourquoi c'est un peu différent. L'idée, elle est juste. Tout ce qu'on a expliqué, c'est vrai d'après Rabbi Nathan. Puisque concrètement, il va y avoir un petit paramètre qui va un petit peu modifier la donne. Ayasham Mataim. Ayusham Mataim. Il y avait là-bas 212. Le mari, il a laissé 212. Shel Mané, celle qui prend le Mané, notelet Ramishim, elle prend 50. Pourquoi elle devrait prendre 33, il y a un problème. Michel, c'est Mataim, Michel Shloshmeot, Shlosha, Shlosha, Shel Zahav. Tandis que celle qui a un droit de prendre 200 et l'autre qui a un droit de prendre 300, sur le Zouz supplémentaire, elles vont se le partager en deux. Et elles vont même se partager aussi en deux le deuxième 50 du premier. Alors là, vous devez sûrement vous perdre et je vais vous expliquer ce qui se passe. On parle d'un cas un petit peu nuancé. C'est qu'en fait, il y avait trois femmes, 100, 200 et 300. Mais il y a des cas de figure, celle de 212, elle va dire à la première, ou celle de 312, elle va dire aux deux premières, moi, à l'une d'entre eux, pas aux deux, elle va dire, moi, je veux pas, j'ai de la peine pour toi, j'ai pas envie de te réduire ta part. Imaginez, on va prendre le premier cas d'abord. Celle de 212, elle dit à la première, bon, écoute, bah, c'est vrai qu'on est des co-épouses et qu'on est censé se crêper le chignon toute la journée, mais comme on a la tête couverte, on peut pas toucher le chignon, donc si déjà, viens, je vais faire quelque chose. En cas de divorce, moi je te réclame rien. Elle n'a pas renoncé à son droit, elle a juste renoncé à son droit de réclamer quelque chose face à elle. Ça, c'est celle de 212, elle a renoncé à réclamer pour ne pas réduire la part de celle de 212. Mais elle n'a pas renoncé intrinsèquement à son droit. Celle de 312, elle vient, elle va réclamer la moitié. Parce qu'elle a le droit, elle n'a rien de renoncé du tout. Elle va le réclamer et l'autre, elle vient lui dire, écoute, si tu réclames, alors tu me donnes la moitié. Et donc en fait, on se retrouve dans une situation pareille, où ça va faire que... Là, pour le premier 112, il y a combien qui se disputent? Finalement, il y a la première et la troisième.
Mais une fois que la troisième, elle a pris le 50, le 100, ouais, la moitié, alors la deuxième, elle dit, alors tu me donnes déjà la moitié. Et en plus, sur le 212, on est toutes les deux à le réclamer. Celle de 200, celle de 300, elle réclame le deuxième 112. Et donc ça va faire qu'elles vont sortir chacune 50 plus 25, plus 50 plus 25. On a dit 25, ça fait 1 dinar zahav. Donc 50, ça fait 2 dinars zahav. Donc 75, ça fait 3 dinars zahav. C'est ce que la machine me dit. Finalement, que la première, elle va recevoir 50 zouz. Et les deux autres, elles vont recevoir 3 dinars zahav. Donc 150 chacune. 75 chacune. D'accord? Après, troisième cas de figure, même principe avec à présent. Ayosham Shloshmeot. Il y avait là-bas 300 zouz. Donc en théorie, je reprends, en théorie sur le premier, elles sont 3, donc ça fait un tiers chacune. Sur le deuxième, elles sont 2, ça fait 50-50. Et sur le troisième, il n'y a que la troisième qui réclame, donc elle prend les 100 que pour elle. Mais la Michelle va me dire que c'est pas ce qui s'est passé, parce qu'en fait, à Yosham Shloshmot, il y avait 300. Shelmané, celle qui prend le mané, notez lettre à Mishim, elle prend 50 zouz. Veshelmatay mané, Veshel Shloshmot, Shisha, Shel Zahav. Celle de 200, elle va prendre un mané, donc ça fait 100. Et celle de 300, elle va prendre 6 zahav, donc 6 fois 25, ça fait 150. Et donc, comme ça, elles vont se partager 50, 100 et 125. En fait, on parle de nouveau même principe. Cette fois-ci, c'est la troisième qui a renoncé à la première. Elle lui a dit, moi, je ne te réclame rien parce que je ne veux pas te réduire ta part. Mais maintenant, la deuxième, elle réclame. Donc, ça fait que la première de 112, elle prend 50. Parce qu'elle n'a que la deuxième qui se dispute avec elle. La deuxième, elle prend les 50 du premier 112 et elle a les 112 du deuxième. Seulement, la troisième, elle vient, elle dit, tu me donnes en moitié. Donc tu me donnes 75. Donc ça fait... Je me suis un petit peu trompé, une seconde, le chien de matin mané. Alors là, j'ai désinversé, une seconde, rien de grave. Le chien de matin mané. Qui gonne d'amra? Ou le balat shlosh mot, le balat mané ou le balat mané, excusez-moi, ça y est, je rectifie. Elle était là, l'erreur. C'est que elle a dit à chacune qu'elle va rien réclamer de son mané. Dans le premier mané. Donc en fait, voilà, c'est je me retrouve. La troisième, elle est venue, c'était le point où j'ai un peu bugué. Tout est vrai, de toute façon. Tout ce qu'on a dit, c'est vrai, c'est juste la question, c'est qu'est-ce qu'elle lui a dit, donc forcément, on arrive à des conclusions différentes. Donc en fait, on arrive maintenant que la troisième, elle. C'est la troisième mariée, elle a dit, moi je veux pas me disputer, moi de toute façon, moi il m'a promis de toute façon de me donner plus que vous. Si déjà, je veux pas me disputer avec vous, je renonce à réclamer ma part du premier 112 et du deuxième 112. Alors là, ça se passe comme ça. Pour le premier 112, la première elle prend 50 et elle se partage avec la deuxième. Maintenant, pour le deuxième, alors, excusez-moi, la troisième, elle a renoncé à son droit que sur le premier 112, donc, mais complètement, ni à la première ni à la deuxième, donc elle se le partage en deux, elles font 50-50. Sur le deuxième 112, elle se partage maintenant avec la deuxième, ils font 50-50. Donc la première, elle a reçu 50, la deuxième, elle a reçu 50 plus 50, ça fait 100. La troisième, elle commence à prendre 50, plus elle prend 100 du dernier, donc ça fait 150, d'accord? On est arrivé. Et comme on a dit, tout ça, on a le long partenaire droit, si vous voyez, il va vous expliquer très rapidement. En fait, Rabbi, il est cholek sur cette histoire, parce que selon Rabbi, tant que la première même, elle doit recevoir 100, tu ne me dis pas combien vous êtes à vous disputer, donc je vais récupérer que 33 ou que 50. Tant que j'ai pas reçu mon 50, je réclame même dans la deuxième année, même dans la troisième année, tant que j'ai pas reçu tout mon dû. D'accord? Fin de la première partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah maintenant. Alors là, on va l'expliquer, ça va aller. Cette fois-ci, c'est un achat qui rapporte dans le prochain Mishpat, mais on va l'expliquer simplement. Vechen shlosha sheitilu lakis. De même, trois personnes qui ont mis de l'argent ensemble pour faire des affaires. Pachatu otiru, s'ils ont réduit ou augmenté, eh bien, car en cholkin, ils partageront de la sorte. C'est-à-dire, en fait, on parle qu'il y a ici trois associés. Ouais, Reuven, Shimon, Lévi. Ils viennent, ils vont s'associer pour faire des affaires ensemble. Ils mettent 100, Reuven, il met 100, l'autre, il met 200, et Shimon, il met 300, et Lévi, il met 300. Donc, on a maintenant un capital de 600. Si on va faire des affaires avec les 600, alors la Michel me dit, ben, il faudra partager les dividendes selon le pourcentage de chacun, apparemment, et encaisser aussi les pertes selon le pourcentage de chacun.
Donc en fait, si en fait, on est parti acheter une marchandise qui a doublé de prix, donc le 300, il prendra 600, 300 de son capital plus 300 d'intérêt, le 200, 200, 200, et l'autre, le 100, 100. D'accord? Ça devrait être en théorie, c'est ce que la Mishnah me dit. Mais en réalité, c'est pas du tout comme ça. Ça se passe pas comme ça. Et c'est rapporté comme ça dans le Shomur, Siman Kouf avec Vav. Dans le prochain Mishpat, c'est rapporté que non. Si on a trois associés qui s'associent ensemble et qui disent rien au moment où ils s'associent, ils prennent pas les pourcentages selon leur capital, mais ils partagent selon le nombre de personnes associées. Tant qu'on n'a pas précisé, eh ben vous êtes trois associés, vous partagez tous les cas, tous les intérêts, vous les partagez équitablement. Pourquoi d'abord? Et après on va expliquer la Mishnah de quoi on parle exactement. On parle qu'en fait, en réalité, on fait des affaires, c'est vrai. Moi, j'ai plein d'argent, mais je suis nul en affaires. Et moi, je vais rencontrer mon ami Zvouloun, qui est une bombe en commerce, mais qui n'a pas d'argent pour le moment. Je vais m'associer avec lui, je dis, tu sais quoi, mets 1000 et puis moi je mets 2000. Et viens, on fait des affaires ensemble. En fait, quand je fais des affaires avec lui, c'est surtout pour que ce soit lui qui fasse des affaires. Il a l'œil, il a le flair, il a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire des affaires, lui. Et donc, puisque je m'associe avec quelqu'un et faire des affaires, ça ne veut pas juste dire mettre un capital, ça veut dire aussi le faire fructifier, savoir où acheter, comment revendre et comment se faire de l'argent. Pas tout le monde a ce don. Et lui, il sait le faire. Donc même s'il met un capital moindre, si j'ai rien précisé au moment où je me suis associé, ben ça signifie que j'étais prêt à m'associer à moitié-moitié avec lui pour tous les intérêts qu'on va gagner, tous les gains qu'on va gagner ensemble. Et si toutefois Zvouloun il n'est pas doué pour le commerce plus que moi, mais peut-être qu'il allait savoir, peut-être qu'il parle mieux l'anglais que moi, qu'ils ont compris. Tant qu'on a deux associés qui apportent chacun un capital, tant qu'ils ne précisent pas qu'ils veulent partager proportionnellement à leur capital, ils partagent entre eux à moitié. D'accord? C'est rapporté dans l'Yerushalmi. Et dans ce cas-là, la Mishnah, elle parle d'autre chose. On parle d'un cas, en fait, où les deux se sont associés. Ils sont tous les deux, ils ont tous les deux apporté. Moi, je reste avec mon ami Zvouloun. Lui, il a apporté 1000 euros. Et moi, j'ai apporté 2000 euros. Et maintenant, on a dit, bon, tu sais quoi, mais finalement, on est un peu avant Pessah, c'est pas le moment de faire des affaires. Viens, on le garde. Et puis là, après Pessah, l'euro, il monte en flèche. Il double de prix par rapport au shekel. Alors là, dans ce cas-là, dans ce cas précisément, ou bien il a réduit aussi, il a réduit. Dans ce cas-là, où on n'a pas eu besoin de faire aucun effort pour faire fructifier ou perdre l'argent, alors dans ce cas-là, on reste pour le moment, on récupère chacun selon son capital. Là, dans ce cas, c'est admis selon tous les avis. On a mis l'argent en association, on a pour le moment on a des euros, on a pour le moment 3000 euros lui et moi, l'euro triple, on partage selon le capital de chacun, parce qu'au moment, ce que ça a fructifié, ce n'est pas grâce à notre savoir, à notre bien faire, on n'a rien fait. Et dans ce cas-là, on garde selon sa part proportionnelle à notre capital. D'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la